Prime Minister, you look a bit pale. Perhaps... No, I must refrain from thinking such things. Now is the time for us to destroy Wu and unite the land beneath Shu. We shall engage Wei at Wuzhang Plains for the final battle. This era of grief and sadness has gone on for far too long. May the light of hope guide our path once the fighting has ceased. Prime Minister, I shall embody your spirit and all that you have lived for. Let us go. Now is the time that Shu shall bring peace to all the land. Zhang Wei, you were most impressive at Baidi Castle. Thanks to you eliminating Wu, we can turn our full attention to the impending battle at the Wuzhang Plains. The enemy fears our spirit for this upcoming battle, and has done all they can to strengthen their defenses. We must keep our supply lines intact and use our provisions wisely in order to overrun the enemy position. Zhang Wei, if something were to happen, I want you to carry on without me. In the next era, it will be up to you and the youth of today to rebuild the land. This is it. Here at Wuzhang, our long-standing battle with Wei shall come to an end. It's just as I foretold. However, the road getting here was even more difficult than I had imagined. Prime Minister! Let us go. The time has come for us to unite the land. Bienvenue aux plaines de Wuzhang pour la bataille finale contre les forces Wei. Bataille qui décidera de quel royaume unifiera le pays. Nous avons pour objectif de vaincre Sima Yi. Nous perdrons si Zhuge Liang est vaincu. Avec nous, Zhuge Liang, Zhang Wei, Fei Yi, Yang Yi, Wei Yan, Zhang Bao, Gao Xiang, Liao Hua, Wang Ping, Wen Xing, Wen Suo, Ma Dai. Contre nous, Sima Yi, Xiao Wei, Xin Pi, Zhenji, Kao Ren, Xiao Wei, Xiao Mao, Zhu Zhu, Kao Xiu, Wen Pin, Sun Li, Kao Rui, Xiao Wei, Wang Lang, Xeuba, Sima Zhao. Le destin du Wei et du Shu va se décider. Sima Yi, le stratège ennemi, se prépare à une bataille de longue durée, ce que Zhuge Liang souhaite éviter autant que possible. Allez, allons-y pour les plaines de Wuzhang. Bon, on l'a déjà vu souvent, c'est normal, c'est une bataille très récurrente. On est reparti du coup pour les plaines de Wuzhang, dans la province Yong. This battle is fated to be my last. Therefore, I must use it to fulfill my master's wish. Bon, allez, je commence par cette base. We have come a long way. We must protect our supply line. Justement. Justement. Protéger la ligne de ravitaillement. Je vais également prendre le bastion qui est là-bas. Je fais ça genre vite. Ça va les emmerder. Crève toi. Allez, en avant, vite. Wang Lang, j'ai pas trop le temps pour lui pour l'instant. Faut que je prenne la base rapidement pour sécuriser la voie de ravitaillement. Sun Li, fuck you. They will not get past us so easily!
my lady. Preparations are complete, as ordered. We should have no trouble escaping danger with these wood oxen on our side. We will win this battle, and a new era of peace will be born. T'es gentil avec tes bœufs de bois, mais tu te démerdes. Yang Wei, you of all people should know better. Fall back. Ça se passe très bien. Faites-moi confiance, Premier ministre. Je gère. So, my might was not enough. I defeated an officer. If we're fast enough, we can confuse the enemy. Ok. Dégagez. Ouais. Destroy them. Don't hold anything back. Yang Wei is here. Parfait. En avant. Cette petite base de ravitaillement là, je vais la prendre sur le chemin. Faut que je fasse gaffe à ma vie quand même. Je n'oublie pas que je suis dans le rouge quand même. Mon petit Kaoxiu, prépare-toi à mourir. My might was not enough. I defeated an officer. Mr. Sima Yi, we have brought what you ordered. Ah, it's here. This will change the tide of the battle. Ok. Donc ça, c'est fait. Ouais. On a un officier qui fait chier, je vais aller m'en occuper. Yang Wei, you of all people should know better. Fall back. Ce n'est pas nécessaire, Zhuge Liang. Tout se passe très bien. The catapults are ready, sir. Fire. Fire at will. Leave not a single enemy soldier alive. Les catapultes de Dengai ont fait feu. On verra ça plus tard. Ouais, Zhongui, du haut de ses 9 ans, qui nous attaque. Lui, il est assez problématique, lui. Si on l'arrête pas, il va trop loin sur nos positions. Defeated an officer. Ah.
Laissez-moi juste deux secondes pour vérifier un peu. Oula, mon stick s'est fait, qui s'emballe. Pour observer la situation, nous avons Kaorui. Ok, vous êtes sur mon chemin. Ziaoui, prépare-toi à mourir. Je les encule, les bœufs en bois. Les bœufs en bois, c'est juste une perte de temps. C'est le piège à con, en fait, d'escorter les bœufs en bois. I defeated an officer. Je l'ai fait par principe avec Yue Ying, je ne le referai plus jamais. Time for proper strategy. Oh, is this the end? I defeated an officer. Ouais. Vos officiers tombent comme des mouches, on dirait. Je vais prendre la base de ravitaillement tant que je suis là. Il y a quand même des bœufs de bois qui sont passés, comme quoi les escorter c'est vraiment useless quoi. Suffit de sécuriser un peu la voie et ça se passe plutôt bien. Hein. Heavens above, grant me just a few more hours. L'état de santé de Zugalian Gampire. Pas bien le Premier ministre, pas bien. Kaorui, je ne laisserai pas reprendre ce bastion. I defeated an officer. Adieu, Kaori. J'aimerais bien prendre le petit bastion qui est. I knew I saw something special in you. Putain. J'ai une envie de pisser qui est violente. Something's not right. No. Prime Minister. No! Zhuge Liang is dead. All units, move to counterattack! Now! La maladie a emporté Zhuge Liang. Prime Minister, help me to live up to your brilliance. Me voilà désormais commandant de l'armée du Chou. Prime
for the glory of our Prime Minister! L'armée Shu ne s'arrêtera pas là, croyez-moi. Je serai à la hauteur de Zhuge Liang. En avant. Rien ni personne ne peut nous arrêter. Il suffit. Merde. En avant, vite. Ouais, cette attaque de catapulte me fait assez mal au moral. Ce serait bien que je me débarrasse de... Anybody that comes near me is gonna die. Je vais me débarrasser de Dengai avant de me débarrasser de Xuzu. It'll take more than just you to stop me. Bien joué, Weyan. Ce Weyan qui a vaincu Kaoren. J'avais même pas fait gaffe qu'il avait été jusque là, ce fag. Il était motivé, Kaoren. Putain, mais Dengai quoi. Dengai avec son hyper armor qui est super chiant à tuer ici. So this is to be my final battle. I defeated an officer. Ok. Bon là je fais une petite pause. Je sais qu'il reste plus trop longtemps à la bataille, mais je pourrais pas tenir jusqu'au bout. Faut que j'aille aux toilettes. Je reviens. Oh. Ah, excusez-moi. Alors, je vais prendre cette petite base de ravitaillement pour le dent. Just because we're a supply base doesn't mean we can't fight. Bon, je vais pas très très loin, je vais aller abattre cette grognasse de Zenji. Et on s'occupera de Xuzu après. Ou pas d'ailleurs. À quoi bon s'occuper de Xuzu de toute façon? We must hang on and wait for an opportunity to arise. Vous aurez plus d'opportunité là, c'est fini. Finissons-en, salope. To die in such a horrid place. I defeated an officer. Adieu, Zenji. Everybody, follow their lead.
Allez, en avant. Idiots, all of you. Let's see you handle this. Tu te prends pour ton père, à nous traiter d'idiots. Your head is mine. I defeated an officer. Bien. Tu protèges Shimayi? Alors meurs. Missions left unfulfilled. I defeated an officer. Place Shimayi. Fool, you have just chosen the path to your own death. Vraiment. Should have kept a better eye on you. Now. Prépare-toi à affronter le successeur de Zugelian. Really made me angry. Très bien, qu'il en soit ainsi. Merde. Voilà quelques généraux. I will kill you in the name of my prime minister. You'll never be anything but a weaselly little traitor. Left unfulfilled. I defeated an officer. I'll never be defeated by an imbecile like you. That's as far as you go. Eat this. Such foolish times to not make use of my talents. I defeated an officer. Victoire. Thanks to the Prime Minister's brilliant plan, we were able to defeat Wei. All of my men did an excellent job in controlling their grief and fighting against the enemy. The Prime Minister left behind a path toward unification of the land. Now, it is up to those of us left behind to create a new future where the people and the land will not be tempted toward the path to ruin. Ouais, au moins le pays a été unifié. Dommage que Zugeliang, qui a fortement contribué, ne soit pas là pour voir ça. A new body, this bodyguard. Très bien.
Eh bien, vous allez pouvoir voir la ending. C'est parti. It was during the final days of the year 200 AD when the Han Dynasty saw its end. Its demise ushered in a new era of chaos, brought on by several regional lords vying to rule China. There were those who sought absolute power, as well as those who fought for justice, and some simply fought for the sake of their beliefs. Many would rise and fall in their attempts to dominate the land. Jiang Wei, from the Tian Shui region. His father, a warrior, was slain when he was still a young boy. Raised only by his mother, he excelled in the martial arts and was also a diligent scholar. When he became a young man, he was made a court official in honor of his father's great achievements. He became an officer for Wei and was assigned to Tian Shui. Not long after, his new post was attacked by Xu's army, led by Zhuge Liang. Jiang Wei did everything he could to defend his position and succeeded in pushing the enemy back. Upon learning that his skills impressed the great Zhuge Liang, Jiang Wei defected from Wei and joined Xu. Thereafter, he served Zhuge Liang by aiding in the campaigns against Wei. Jiang Wei showed extraordinary talent and exceeded Zhuge Liang's expectations. However, Zhuge Liang's abilities still surpassed those of Jiang Wei, and he did his best to teach him everything he could. In 232 AD, the Xu army prepared themselves for their fight against Wei at the Wuzhang Plains. Zhuge Liang led the attack despite suffering from illness, and Jiang Wei aided him in the desperate battle. The battle ended with Xu as the victor. It was Liu Bei who first dreamed of creating a peaceful land. Zhuge Liang dedicated his life to those dreams, but fulfilling them would ultimately be entrusted to the young and capable hands of Jiang Wei. These tales, passed on for generations, have endured the tests of time and continue to fascinate their listeners even today. Et voilà pour la légende de Jiang Wei. Sans compter le mode légende, nous avons réussi 5 niveaux. Il y a eu 2993 personnes qui ont été tuées par Jiang Wei, pour un total de 38 370 points, le tout en 71 minutes et 27 secondes. À Tian Shui, 331 personnes ont été tuées. À Jieting, 564. À Chen Kang, 635. À Baidi, 850. Et à Wuzhang, 613. Allez, je vous laisse profiter de la cinématique de fin. Minister, this land we've united, I shall protect it with my life. Et voilà.
Jiang Wei a officiellement succédé à Zhuge Liang. Il a certainement le poste de Premier ministre à sa place également. Il est le grand stratège aux côtés de Liu Shan. Bon, techniquement, comme le pays est unifié, il ne devrait plus y avoir de guerre. Mais bon, il y a toute une gestion en politique interne à faire, donc j'imagine que Jiang Wei va avoir pas mal de boulot encore. Quoi qu'il en soit, c'était une unification du Shu avec Jiang Wei, et on se retrouve pour le personnage suivant.